Bah en vrai c'est de la bonne musique, mais je crois que je vais avoir besoin de plus que ça. Eh bien salut à toutes et à tous, Slime Compagnie, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, écoutez pour ma part. Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode et 30e jour de notre incroyable aventure sur Sons of the Forest. Et peut-être le tout dernier épisode. Je vais utiliser les dernières piles que j'ai et on va y aller les amis. J'ai l'alarme à l'œil, en même temps j'ai peur, donc c'est un mélange de deux sensations. Et voilà. Superbe. Très bien. Bah j'espère que vous allez bien les amis, désolé, je commence direct dans le feu de l'action. En effet, je commence dans le feu de l'action. N'oubliez pas le pouce bleu, j'espère que les deux derniers épisodes d'une heure vous ont plu. Ça ressemble quand même à une sortie de grotte hein, cette connerie là. Eh. Eh, attendez, je me tromperais peut-être. Oh purée. Oh, ça sent pas bon ça. Oh si, c'est une sortie de grotte, bordel de merde. Oh, c'est incroyable, on n'a pas fini le jeu. Oh, mais je suis content. Ah. Ah. Bon, il a neigé, voilà. Ça, c'était... j'avais prévenu hein, qu'il allait neiger, voilà. Bon. Première mauvaise nouvelle, c'est qu'il neige. Donc là, on est au lac gelé. On est rentré. Je me chie dessus. Je me chie dessus, pardon, je suis désolé, les gars. Attendez. Je dors sur le lac gelé s'il faut, je m'en bats les steaks. Voilà. Non mais vous entendez les bruits là? Qu'il y a sous la lac? Sous le lac? Bon, on est rentré par où nous? On est rentré par le point vert hein. Ouais. Eh, est-ce que ce serait pas le moment? Ah non mais non. Mais non mais c'est sûr, la grotte, attendez. Parce que ma base elle est quand même loin là, si je vais à la base c'est chiant. Moi je pense qu'il faut... En fait... Ah donc c'était pas la fin du jeu. Alors les gars, 100%, la porte là-bas, c'est la fin du jeu. Là où on va actuellement. Mais en fait dans tous les cas on va finir le jeu là je crois les gars hein. Il faut parce que c'est pas que je me précipite ou quoi, mais vas-y on va pas rentrer à la maison. Il faut retourner à l'autre bout de la map les gars. Faut retourner à l'autre bout de la map juste pour rentrer à la maison, frère. Non, attends, on va voir le point d'intérêt. Que ce soit la fin du jeu ou non, moi je veux voir ce qu'il y a en fait. Alors, là, je suis quand même heureux parce que j'avais peur que ça se termine tout de suite. Et on a récupéré donc dans la grotte en réalité. Eh ? Putter ? On peut jouer au golf ? Je savais même pas qu'on avait récupéré ça. Une cible en papier. Mais attends, mais on a récupéré tout ça où là ? On a récupéré donc une armure d'or. Et un... masque d'or et un katana hein, également. Là on a l'arc à poulie. Merde. Ouais d'accord, c'est un livre. C'est formidable. C'est formidable. Pourquoi le point vert a disparu? Ah non. Eh, je me chie dessus, je sais pas ce qui se passe. Les gars, c'est le pire début d'épisode, j'en suis désolé. Je suis pas bien du tout. Eh mais il y a une grotte là. Attendez, non mais là il se passe trop de trucs. Ouais. Fais la maligne quoi. Il y a une grotte là. Ah mais non mais c'est la grotte du lac gelé, mais non. Eh je comprends plus rien à la carte moi. Vraiment je suis pas bien du tout. Allez on va boire un coup. Oh là 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 là. Va falloir se ressaisir les amis hein. Allez on va aller au point vert. En tout cas les gars... Une aventure de dingue. Une aventure de barjo. Et du coup c'est vrai que vous voyez on se fait beaucoup moins envahir. Parce que là sur le chemin on s'est fait envahir quand même hein. Et là on se fait beaucoup moins envahir par les indigènes ou quoi. C'est tout de suite beaucoup plus vide quand il y a de la neige. Et c'est vraiment cool.
Visiblement, hein. Évidemment, je vais dire ça, je vais me faire attaquer, mais on commence à avoir l'habitude. D'ailleurs, ça va être vite vu parce que les amis. Oh. Eh. 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 Messieurs, dames. Eh. Je dis ça, je dis rien. Mais. Qui dit un cimetière dit que on est un petit peu débile. Ah, mais en fait, c'est juste pour récupérer. Ah ouais, mais en fait, on récupère rien. T'es en train de me dire qu'on peut déterrer leur tombe, mais juste pour récupérer de la corde. D'accord. Oh, c'est naze. Et des pièces. Ouais, bah ouais. Bon, à mon avis, on trouvera rien. Enfin, je sais pas, faut essayer. Eh, faut essayer, les gars, non? Imagine, on trouve un truc de fou. Ce serait quand même couillon. Alors, ça mange pas de pain. Hop. Eh, au moins, on récupère. Ça m'a saoulé, c'est bon. Ok. Là tu vois, j'ai pas le droit de critiquer. J'ai pas le droit de dire que c'est vide ou je sais pas quoi. J'ai pas voulu déterrer les autres. Donc tant pis si je rate quelque chose, c'est de ma faute, je l'assume. Bref, profitons donc de la neige parce que. Et c'est ça ce qui est marrant, c'est que du coup il y a de la neige, donc on est plus tranquille en extérieur. Et forcément, c'est maintenant qu'on va dans les grottes. Alors franchement, c'est complètement débile. Parce que si c'est plus calme en extérieur, ce sera forcément beaucoup plus monstrueux en intérieur. Ça me paraît assez logique. Ouais. Ça va mon ref? T'as pas l'air très méchant en vrai, Capitaine Haddock. Avec son crochet. Ah mais non, mais y'a plein de gens, voilà. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Eh bah bonjour. Aïe. Ils s'en battent les steaks de la neige en fait, hein. Moi aussi je peux faire ce bruit, hein. Ça m'impressionne pas, hein. Bon bah je retire ce que j'ai dit. On se fait quand même envahir. Oh mais je sais. En fait quand j'étais passé par là, c'est pas que j'avais pas fait attention au point vert, mais je pensais que le point vert c'était pour montrer l'héliport ici là. Eh ouais. Et donc j'ai pas fait attention, mais en fait en allant vraiment sur le point vert, bon bah c'est là qu'on a évidemment l'entrée de la grotte. Mais franchement très sincèrement je vous le dis, je pense que c'est la fin du jeu, hein. Je préfère vous préparer à ça, même si peut-être que parmi vous il y en a qui connaissent. Très probablement, c'est vrai que j'ai vu beaucoup vos commentaires là, vos astuces, et ça se voit que beaucoup sont connaisseurs. Évidemment, pas de spoil en commentaire, mais moi je pense, sans savoir, je pense que là c'est la fin du jeu. Hein, d'ailleurs, c'est tellement cohérent, on a un héliport ici, donc c'est-à-dire que les hélicoptères atterrissent ici, et là on a une entrée très dégagée. Donc en fait ça paraît tellement évident que là il y a eu beaucoup de trafic. Et je pense que... Bah ouais, bon là il y a de la neige, on voit pas, mais là il y a un chemin direct. C'est tellement dégagé ici. Très sincèrement, ça, je pense qu'ici c'est l'endroit clé de l'histoire. Et donc, bah donc je pense que la fin du jeu se passe là. Une question que je me pose quand même, c'est... Alors on va dire que c'était Timmy, hein, là dans le dernier épisode... La cinématique, on va dire que c'était Timmy et le père. Bon là j'ai envie de dire que c'est ça, parce que pour moi c'est ça. Et j'ai envie de faire hommage à The Forest. Effrayant. Mais du coup ils sont où? Le père il est mort, c'est ça? C'est fou ça. Bon. Bah, les amis il est l'heure. Les amis il est l'heure. Oh là là là. Changement d'ambiance. Ah regardez, il y a un chargement qui se fait. Le petit freeze. Et on connaît les mécaniques, hein. Regardez, hop, il fait tout sombre et là, hop. Ah j'adore. Et vous savez quoi? Attendez. Et on va laisser la bâche là et on va sauvegarder directement, d'accord? Comme ça, on est tranquille. D'accord. Et on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Le petit freeze, donc ça charge, on descend, bonjour. Oula. Alors... On peut pas aller derrière. Il y a peur d'avoir grand chose de toute façon. Descendons de manière sereine. Absolument. J'ai l'air chouette avec mon katana. Hein. Oh.
Non mais franchement, mais quelle idée de merde. Quelle idée de merde. Mange. Là j'aurais pas faim du tout. Là dans la vraie vie je me laisserais crever en fait hein. Vraiment hein. Bon je suis full en termes de nourriture. Je préfère essayer de prendre quand même au cas où. Attendez. Je suis sûr que je vous effraie à chaque fois. Alors j'ai le pistolet, j'ai le magnum. Et ce serait pas le moment de faire des bons raccourcis là. Genre attendez, attendez, je pense que ce serait le bon moment. C'est à dire que j'ai le katana, il est où là le katana? Il est là, le katana je l'ai en 1 d'accord. Bon, donc les haches tout ça on s'en fout. Donc moi je propose que le fusil à pompe on le mette en 2. Sachant que j'ai pas de balles de fusil à pompe. Comme ça l'affaire est réglée. Le petit pistolet je le mets en 3. Le magnum je le mets en 4. Le taser en 5. Grenade, je vais le mettre en 6. Et c'est déjà pas mal. Et les molotovs en 7. Mais non, ça sert à rien. Parce que dans tous les cas, il faut que je joue l'inventaire. Bon, bah j'ai pas le choix. Ok, ce sera déjà pas mal en vrai. Hein? Qu'en pensez-vous? Bah oui. Ce sera déjà plus intelligent. Bon. Pour autant, on va éviter d'user les balles parce que... A mon avis, le pire, c'est pas ici. Eh, pourquoi ils nous préparent autant avec autant de stuff là, de nourriture? C'est quoi ce bordel? A mon avis, c'est qu'on va en avoir besoin. Oh, le screamer qui va arriver, bonsoir. Pourquoi? Pourquoi ce petit... Oh, Timmy? Timmy, tu as grandi, hein. Vous croyez que l'armure en or va être utile? Toujours pas compris l'armure en or que ça va servir. J'ai pas encore vu vos commentaires, sachez-le. Donc, est-ce une bonne chose? Je sais pas. Oh my fucking gosh! Oh là 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 là, les gars. C'est pas vrai ça. Je suis désolé, hein. J'espère que ça vous dérange pas que j'anime un petit peu moins. Il faut que j'aille où là? On va à gauche. On va à droite. Je sais pas où on doit aller, putain. Ok. Ok, j'ai bien fait d'aller là d'abord. Ok. Et en plus j'ai la possibilité de sauvegarder. Non mais là ça va pas du tout là. Ça va pas du tout là. J'aime pas du tout ce qui se passe hein. J'aime pas du tout ce qui se passe, messieurs dames. C'est un soutien-gorge ça? Pas du tout, c'est des chaussons. Allez, la dernière blague. La dernière blague avant de prendre tarif, putain. Allez, on y va. Eh, franchement hein, j'espère vraiment que vous avez bombardé de likes le dernier épisode. Et je compte vraiment que vous allez le faire pour celui-là également. Que ce soit le dernier de dernier ou pas, je ne sais pas, mais dans tous les cas. Superbe. Eh, j'aime pas ça, y a pas de méchant, y a rien. J'aime pas ça non plus. En fait, dans tous les cas, j'aime pas. Mais on est où là? C'est un musée? Ah, c'est un musée. Une sorte de musée. Waouh. Ah oui d'accord, c'est un musée où en gros ils mettaient des indigènes quoi. Ils enfermaient des indigènes, non? Ou quelque chose comme ça on dirait. Oh non. Oh non. Vas-y, on va économiser la pile hein. Magnifique. C'est beau hein. Livre sauvetage. Et ben voilà. On sait comment se sauver. Eh, la musique c'est sympa. Mais c'est pas plus rassurant. Il fait bon vivre ici là. Hop. Très bien.
Alors, hé. Ne venez même pas me dire que sans la musique l'ambiance est pesante, parce que même... Mec, ils nous mettent des grenades. Un fusil à pompe au cas où on en avait pas. Des balles de fusil à pompe. Hé. Il s'agirait de pas se foutre de notre gueule, hein. Déjà, s'ils nous mettent ça à disposition, vodka pour les cocktails Molotov. Eh, franchement, hein. Eh. Eh, faut pas se foutre de ma gueule. Bon, du coup, j'ai des balles de pompe alors. J'en ai aucune idée si j'ai des balles ou pas. Ce sera vite vu. En tout cas, ils m'ont mis à disposition ce qu'il fallait. Et ça, c'est abusé. Oh, y'a quoi là? Y'a rien. On peut pas passer le rideau. Ok. Bon, donc faut aller là. Je vérifie que j'ai rien loupé. Y'a des lapins partout. Je vais avoir peur des lapins, ça y est. Évidemment, si je me chie dessus. Évidemment, si je me chie dessus. J'utiliserai une arme à feu. Et là, pour le moment. On va essayer de rien gaspiller. Pourquoi j'ai cru qu'il y avait une silhouette à droite? Oh putain, ils ont mis des silhouettes, regardez. Non, c'est des vases. Oh, les salopards. Oh, oh non. Il y a encore des munitions. Et du billard. Oh, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Putain de jeu de merde. Oh là là. Et si je dis ça, vous savez pourquoi je dis ça, hein. J'aime ce jeu, hein, sachez-le, hein. Ne vous y méprenez pas, hein. D'accord. What? Non. Oh non. Oh merde. Oh merde. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Ah! Fils de... Ok. J'ouvre. Ok, c'est avec l'armure en or. C'est l'armure en or. Oh merde. Et regardez en bas à droite, j'ai l'armure en or. Quel enfer. Donc là, je suis équipé de l'armure en or. Attendez. Est-ce que... Bougez pas. L'armure en or, je l'ai plus. Elle est équipée sur moi. D'accord. Il faut juste pas la casser. Est-ce que je mets un raccourci clavier sur le masque en or, peut-être? En vrai. Comme ça, à tout moment, je peux le sortir. Je sais pas si ça sert. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Eh, je compte sur vous pour regarder la vidéo en entière. Eh, portez vos boules comme moi, je vais essayer de les porter, hein, s'il vous plaît, les gars. On est ensemble, hein. On fait l'aventure ensemble, hein. Du début jusqu'à la fin. Oh putain. D'où y'a de la lave? D'où y'a de la lave? Oh putain, ta gueule. Je rush. Je m'en bats les steaks. Je rush. Ok, y'a de la lave partout. Allez, je cours. Et je m'accroche à la vie. J'ai peur de rien, moi. Je cours. On a clean beaucoup de grottes. Mais là, je pense que y a des trucs qu'on pourra pas clean. Bon, là, si je tombe, je meurs, hein. Allez. J'en ai rien à péter, moi. Hop là. Oh, y'a des pendus partout, frère. Incroyable. Incroyable. Mais vrai. Bon, pour le moment, ça va. T'as vu, j'ai pas besoin d'affronter l'autre. J'ai pas besoin d'affronter l'autre. Oh là. Ah oui. Ah, c'est chouette. Ah ouais. Bah, salut les refs. Allez, salut. Ah. Ouais, d'accord. Eh, c'est quoi ces bordels là? J'espère que je passe à côté de rien. Et au pire, tant pis. J'en ai rien à faire. Allez, salut. Ok.
Non non, je passe à côté de rien, tout va bien. Bon après c'est vrai que vous m'avez dit souvent je suis passé à côté de certaines choses, mais des fois c'est tellement mal, c'est un peu mal fait des fois, des armes qui sont sur des cadavres. Faut vraiment le voir quoi. Oh my god. Oh my god. Oh, je sais pas où je dois aller. Et je vois absolument rien. Ta gueule. Bon bah. Salut hein. Allez. Voilà, parfait. Salut. Ah. Ok. Oh my fucking gosh. Allez, reprends ton énergie là. Allez. Aïe. Derrière moi. Ah. Wesh. Wesh. Ouais d'accord. Ouais d'accord. J'ai compris. Je suis encore. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Oh. Oh purée. Oh purée. Il me lâchera jamais. M'en fous. Arrête. Sors ton arme. Sors une arme. C'est bon. C'est bon. Allez, recharge. Oh, c'est pas vrai. C'est un cauchemar. Mort. Eh, t'es pas capable de recharger avec la lumière? Il fait quoi lui? Oh, il s'est relevé. Oh my god. Il y a plein de papiers. J'ai pas le temps de lire. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance en commentaire. C'est un cube. Le cube. On n'avait pas vu un truc par rapport au cube? Bon, je trace. Ah! Oh, c'est pas vrai. Sa mère l'hypopète. Eh, s'il vous plaît, j'espère qu'il n'y aura pas de labyrinthe. Et qu'il faut aller au même endroit. Parce que sinon, ça va être chiant. Hein. Je sais pas où je dois aller. Non! Non. Tout va bien. Tout va bien. Ok, c'est bon. Tout va bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. J'ai eu très peur. J'ai eu très très peur. Mais c'est bon, tout va bien. Non, si on meurt là, on est des salopes. Hein. Non, je vous le dis. Hein. Si je meurs, je suis une salope. Hein. Oh my god. Oh mon god. Et il continue de me suivre, l'autre. Hein. Violent. Hein. Allez, reprends ton énergie. C'est qu'il revient vraiment. Hein. Hop. Bon, ça va. En vrai, ça va. Si tu les esquives, ça va. J'espère juste qu'il n'y aura pas pire. Parce que sinon je vais pas être bien là. Aïe. Ok. C'est le moment de mettre l'armure. Armure effrayante. Oh non. Ça m'a enlevé l'armure en or. Ah non, c'est bon. D'accord, ok. L'armure en or, c'est une armure cheatée. Genre elle se casse pas. Ça m'étonnerait ça. Mais je crois que c'est une armure cheatée, l'armure en or. On dirait hein. Waouh. C'est beau. Par contre mes piles, je vais avoir un problème pour ma lampe hein. Je vais avoir un vrai problème hein. C'est qu'à un moment donné, c'est mes dernières piles hein. Salut. Alors on peut aller là-bas mais visiblement ça revient au même. Alors on va continuer de suivre la lave hein. Je pense que le secret c'est ça. J'ai envie d'éteindre ma lampe de poche même si on voit moins bien, je m'en fous. Oh purée. Salut mon pote. D'ailleurs encore une fois, ceux qui me disent que je peux mettre sur ma hache du feu, du tissu, c'est faux hein. Je ne peux pas hein. Là par contre ça craint de ouf là. Désolé de vous ignorer hein. Je veux pas que vous le preniez mal hein. Ils sont tous en train de m'attaquer hein. Je... Ouais. Ouais. Superbe. 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 Vous allez me suivre jusqu'où là, bande de salopards hein.
Oh la vache. Allez, cours, 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 accroche-toi à la vie. J'adore cette chanson en plus, hein. C'est bon. C'est bon. Keep your friends close. Ok, je viens d'avoir un nouvel achievement. Purée. Oh le truc de zinzin. On fera un débrief après, hein. On fera un débrief après. Là j'ai le choix de soit rester sur l'île ou soit de partir. Alors, pour le scénario, messieurs dames. Pour le scénario, je vais partir. Pour que la fin soit juste. Mais on débriefera et on se retrouvera de nouveau sur l'île. Ne vous inquiétez pas. Mais pour le let's play et pour le réalisme, et on débrief après, je vais partir. Je suis trop content. Ok. Bon les amis, juste parenthèse, encore une fois, j'ai fait ce choix de partir pour le let's play. Parce que pour moi c'est comme ça qu'il faut que ça se termine, d'accord. Mais vous inquiétez pas, on se retrouvera à nouveau sur l'île pour des vidéos détente, d'accord. Et pour la suite évidemment, il y aura des mises à jour. Mais là c'est pour le scénario que j'avais envie de faire ça. Et je suis trop content que ça se termine comme ça. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements quand même, hein. Sur le scénario. En fait, est-ce qu'on a retrouvé bah non, on n'a pas retrouvé du coup les milliardaires vu qu'ils sont morts. Par contre, on a sauvé la fille Virginia Puffton. Et vous avez vu, elle s'est adossée à moi. Je suis trop content. On repart avec alors pas tout l'équipage en entier malheureusement, mais en tout cas notre ami Calvin, enfin le collègue Calvin.
Et en plus avec Virginia, elle est sur mon épaule actuellement là. Je trouve ça génial. Donc ça, je suis trop content. On va se marier. Par contre, les zones d'ombre. Donc franchement, est-ce que là, le vieux monsieur, le daron, est-ce que ce serait pas du coup le personnage qu'on avait incarné dans The Forest? Bah, je pense que si. Et que le fils à côté de lui, c'est Timmy quoi. Et ça, c'est un truc de zinzin. Par contre, beaucoup de zones d'ombre. C'est-à-dire que là, pourquoi cette île, elle est infestée de mutants? Bon, après, c'est avec Sahara Therapeutics. Hein, c'était l'histoire de The Forest. Mais c'est ça la vraie question, c'est que là on part et on relaisse cette île avec plein de mutants quoi. On s'est protégé grâce au cube. Il y a eu un décompte. Est-ce que le décompte, ça a tué tous les mutants peut-être? Ça m'étonnerait puisqu'on va justement pouvoir retourner sur l'île et affronter toujours les gens. Je sais pas. J'imagine que tout n'est pas encore clair et que ce n'est que des suppositions qui pourront être émises. Mais en tout cas, n'hésitez pas en commentaire à donner vos suppositions. Et voilà, c'est Gabe Castro, le musicien des musiques dont je vous parlais dans l'avant-dernier épisode. Bravo en tout cas à toute l'équipe, même si tout peut être controversé et que le jeu peut être critiqué en tout point. C'est une open bêta, il y aura plein de nouvelles mises à jour, plein de nouvelles choses, même peut-être scénaristiques. C'est fort probable. Mais pour un début, c'est vraiment pas mal et je suis vraiment content d'avoir fait le jeu. Merci à eux pour leur confiance, parce qu'encore une fois, c'est grâce à eux que j'ai pu vous proposer le let's play dès le day one, dès le premier jour. Et ça, je les en remercie énormément, parce que j'aurais très bien pu leur mettre un couteau dans le dos, même s'il n'y avait pas d'intérêt. Encore une fois, je suis pas rangé, je veux dire, j'ai totalement le droit de critiquer le jeu et vous connaissez mon avis sur certains points. Par contre, de là à le dézinguer, que j'ai reçu les clés ou non, franchement, ceux qui dézinguent le jeu, c'est vraiment des... Bref, je suis désolé, mais à un moment donné... Voilà, retournez sur d'autres jeux alors. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. En tout cas, on se retrouve bien sûr, les amis, hein, pour de prochaines vidéos sur Sons of the Forest, des vidéos à la cool. Et même du coup des lives. Peut-être des vidéos multijoueurs, qui sait, je ne sais pas, je peux rien vous promettre. En tout cas, les épisodes tous les soirs à 19h, évidemment, c'est terminé. Le Let's Play se termine là-dessus et je vous remercie énormément et infiniment pour tout l'engouement qu'il y a eu. Et je compte sur vous pour rester toujours derrière ma chaîne, à regarder un petit peu toutes mes autres vidéos, même celles qui ne seront pas sur Sons of the Forest. Ah, je compte vraiment sur vous les gars, merci à vous ceux qui m'ont découvert et voilà ceux qui ont été fidèles du début à la fin, c'est un plaisir. D'ailleurs, prochaine mise à jour dans 4 jours, ce sera dans 2 jours au moment où la vidéo sortira, voilà. Et donc c'est là-dessus que ça se quitte. Très bien. Bah c'était absolument dingue, vraiment. N'hésitez pas en commentaire à dire maintenant qu'on a fini le jeu, sans spoiler évidemment. Bon, je pense que les gens ils regardent les commentaires à la fin, je l'espère, mais voilà, donnez vos hypothèses, vos avis, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins apprécié. Et voilà, je sais pas trop quoi dire. Je pensais pas que ça se finirait aussi vite. On dirait que la fin, il y a une petite phase un peu bâclée, on dirait. Là je le dis, il y a une petite phase un peu bâclée, je trouve. Mais par la suite ce sera probablement amélioré. Mais j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Les amis, je vous fais plein de bisous, je compte sur vous pour les pouces bleus. Vraiment, les commentaires, l'abonnement, très important, c'est gratuit, ça vous prend 2 secondes. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, de prochaines aventures. C'était MColo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde.